J'ai fait mes ongles ce matin. J'ai fait ça. J'ai changé de couleur. Elle est en train d'émerger. Elle s'est endormie un petit peu. Bah là, il n'y a pas longtemps. Elle fait des micro-siestes. Voilà. Ensuite, je vais me coiffer et finir de me préparer. J'aime bien comment je suis habillée aujourd'hui. Bon, j'ai pas trop repassé mon haut par contre. Je mets lequel les filles? 1, 2 ou 3? Ils sont trop beaux. Je sais pas lequel mettre. Bon, je vous montre mes derniers bijoux du coup de chez My Little Necklace. C'est trop trop beau. Donc bien évidemment, j'ai refait des bijoux pour la petite où j'ai marqué Alia partout. Je sais pas quoi faire, je vais me coiffer après. Et j'ai pas fait que ça, j'ai fait un petit bracelet. Pour une fois, ça change, j'aime trop les bracelets. Et aussi, en fait, j'ai fait un autre bracelet, mais que j'ai mis en chaîne de pied. Parce que ça passait aussi, je trouvais ça joli. Donc, je vais vous montrer les nouveautés que j'ai. Et elles sont trop belles. Et j'ai aussi fait des petits cadeaux pour... Ma belle-fille Alia et My Gwen. Comme ça, elle va pouvoir le garder. Elle a le nom de sa sœur et son prénom. Donc, je le trouve trop beau avec les deux petits cœurs. Et je lui ai fait faire aussi les petites boucles d'oreilles. Il y a marqué My Gwen avec un cœur. J'ai trouvé trop belle. Voilà, parce qu'ils font de tout chez My Little Necklace, du coup, même les boucles d'oreilles. Regardez, elles sont trop jolies. Elle est trop contente. Donc là, j'ai mis celui-là. Donc là, vous le voyez à l'envers parce que je suis en mode selfie avec le petit cœur et le petit diamant. Alia, il est trop beau. En fait, c'est exactement le même que celui-là. Hop, je vais vous mettre à l'endroit. Celui-là, mais j'ai rajouté le petit cœur et le petit diamant. Comme vous pouvez voir, en fait, là, regardez, j'ai marqué Martinez. Donc, une famille Alia Martinez, mon chéri. Et vous avez vu, à ma cheville, du coup, j'ai mis un cœur. Il y a marqué Gérald. De l'autre côté, on retourne, il y a marqué Sarah. Après, je vous ai montré les bijoux que j'ai fait pour ma belle-fille. Donc voilà, franchement, c'est trop une bonne marque. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Vous avez argent, or rosé ou couleur or. Par exemple, l'or rosé, c'est celui-là. Donc, regardez la fleur avec marqué Alia. Vous choisissez, comme vous avez vu, c'est des écritures différentes avec des modèles différents. Vous pouvez tout choisir. Et ce qui est bien, c'est que ça tient parce que c'est du plaqué. Donc, vous pouvez vous baigner avec, même cet été, aller à la plage avec et tout. Ça ne bouge pas parce que tout simplement, c'est du plaqué. Donc, vous voyez, même pour faire un cadeau, je trouve que c'est des cadeaux qui restent, c'est des cadeaux personnalisés. Vous pouvez choisir même l'écriture. Donc, comme je vous ai dit, soit hébreu, soit arabe, soit en français. C'est à vous de choisir. Donc, je trouve ça hyper, hyper cool. En tout cas, je vous donne un code promo. Franchement, c'est le top. Profitez-en. Et pour les mamans, bah, vous pouvez marquer les prénoms de vos enfants. Je trouve ça trop, 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 trop beau et significatif à la fois. Donc foncez, le code est là, le site est là. Il y a ma copine qui est là. Voilà. Et on va manger. Elle est venue manger. On attend les filles pour manger. Ouais. Voilà. Là, on décortique le poulet à la perfection. Alia participe aussi au repas. Mon cœur. Ma petite princesse. Petit après-midi tranquille, on était avec les copines, on a mangé. Là, j'ai lavé mes cheveux, ça m'a fait du bien. Et je suis avec ma petite princesse qui me regarde parler, qui est mon bébé. Et là, en ce moment, voilà, elle s'amuse à enlever sa tétine, à essayer de la remettre. Des fois, ça passe, voilà. Là, on va voir si ça va passer, regardez, en direct. Elle se salive. Alors, t'as réussi? Non, toujours pas, regardez. T'arrives pas? Coucou! Voilà, allez, tu veux pas? Si? Si, mais vu que tu es trop forte, tu vas réussir. Allez! Bravo! Encore? Non? Regardez. Allez, elle louche! Arrête de loucher! Allez! Grosse question, je sais que Gilles ne va pas regarder ma story, elle regarde pas mes stories snap. C'est son anniversaire du coup demain, donc ce soir à minuit.
Bien évidemment, j'ai un cadeau pour lui. On ne sait jamais si on regarde mes stories ou pas, donc je pense pas. Donc je vais pas dire ce que c'est, mais demain j'ai prévu des petits trucs, d'accord? Est-ce que je lui offre demain ou est-ce que son cadeau je lui offre ce soir à minuit? Vous auriez fait quoi à ma place? Sachant que demain il y a des petits trucs qui sont prévus, pas des cadeaux mais des surprises. Donc je fais quoi? Je fais tout demain ou je fais une partie à minuit? Tu fais n'importe quoi avec le bébé là, tu fais n'importe quoi. J'ai fait directement la douche, enfin le soir même. J'ai fait le vaccin le matin et le soir même, j'ai fait son bain. Bah voilà, je savais pas qu'il fallait attendre ou pas. Enfin, en tout cas, le pédiatre ne m'avait rien mentionné. Et puis, tout s'est bien passé. Donc voilà, pour ma part, ça a été le soir même. Et puis, pour demain, l'anniversaire d'Alia. L'anniversaire d'Alia. Ça y est, je veux déjà l'avoir grandir, non? Pour l'anniversaire de G, j'hésite entre plusieurs robes pour Alia. Je vais vous montrer. Je sais pas du tout ce que je peux lui mettre. Regardez, j'aime bien cette robe. Je la trouve trop mignonne. Pour l'anniversaire de son papa. Sinon, plein de petites robes mignonnes. Sinon, attendez, regardez. Il y a celle-là aussi qui est mignonne. Celle-là aussi, je craque. Sinon, il y a celle-là, mais sans le gilet. Regardez. Sans le gilet, elle est comme ça. Elle est trop belle aussi. Puis après, le gilet, s'il fait un peu froid, je peux le mettre, mais il fait chaud en ce moment. Voilà, il est très léger, le gilet. Donc, je sais pas du tout quoi mettre demain à Ali. Franchement, je sais pas du tout, les filles. On est encore dans l'autre dressing, donc je sais pas, les filles. Je suis un peu perdue. Sinon, il y a cette tenue-là aussi. La tenue que Martika a offerte à Alia. Oh, elle est belle aussi. Regardez. Celle-là avec les volants dans le dos. Ouais, je sais pas. Vous savez que G est daltonien. Voilà, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Chérie, je suis habillée de quelle couleur? Rouge. Voilà. Donc, pour G, je suis complètement habillée en rouge. Mais du coup, tu me vois tout en rouge. Chérie, c'est kaki. Kaki, c'est pas une couleur. Bah si, kaki, c'est une couleur, kaki, bah c'est vert. Fruit, c'est un fruit, c'est non. Pas une couleur. Non, bah en tout cas, je suis loin d'être en rouge, je t'annonce. Non, marron, mais... non, je suis en vert, chérie, c'est kaki, c'est ni marron ni rouge. Non, mais tu vois ma tenue. Donc toi, toute la journée, tu croyais que j'avais une tenue rouge. Papa, il croyait que j'avais une tenue rouge, Alia. C'est parti, je vais vous faire mon petit haul Folie Fringue. J'ai reçu mes nouveautés, les dernières. Je suis trop contente, il y a des pièces juste sublimes. J'ai trop hâte de les essayer avec vous. Et aussi, juste avant de vous faire mon haul, je voulais vous dire qu'à partir de 50 euros d'achat avec le code promo que je vous marque, vous avez moins 10%. Et à partir de 100 euros d'achat, vous avez moins 20% avec mon code. Donc profitez-en et également sachez que ce week-end, Folie Fringue organise une grande braderie en direct donc de leur usine. Ils bradent tous les articles. Donc je vous mets toutes ces informations-là à la fin de mon haul. Et là, je commence mon haul. On commence par ce sublime ensemble. Donc regardez, c'est la jupe. Trop belle, longue comme ça. Regardez le devant de la jupe. Elle est magnifique. Regardez la matière. Et ce haut-là, regardez comment il est sublime, les détails du haut. Il est incroyable. Franchement, trop trop beau. Avec les petits boutons là, il est magnifique. Donc l'ensemble, je le trouve trop beau. Je suis trop contente. Voilà, il me va. En plus de ça, c'est élastique. Donc ça, c'est cool, les filles. Comme ça, ça peut aller à tout le monde. Il est trop trop beau. Ensuite, j'ai pris cette magnifique robe de plage. Voilà, je la trouve trop trop belle. Que ce soit les couleurs, la matière et aussi la forme. Regardez, elle est longue. Elle ne mue pas le corps.
regarder pour aller à la plage avec des petites sandales et un petit sac avec le petit maillot en dessous. Je trouve ça juste canon, je sais pas vous, mais je la trouve sublime et j'adore les couleurs. Bien bronzée, ça va ressortir de dingue. Ensuite, j'ai pris cet ensemble, donc la couleur, tout à fait mon délire. Et regardez l'ensemble, comment il est trop beau, trop classe. Le pantalon comme ça, voilà, avec le petit haut, regardez le taille du haut. Là, sur le côté, il est ouvert, donc vous réglez. Faites les filets comme ça. Il est magnifique. Les petites épaulettes. Bon, c'est un ensemble de qualité, regardez la matière. Je sais que vous ne pouvez pas toucher, mais vous voyez, c'est quelle matière. Je trouve, mais trop, trop beau. Il est sublime. Je suis trop contente. Trop, trop contente. Il est trop beau. Non, genre, c'est un coup de cœur de ma commande, je crois. J'ai pas encore fini, mais là, pour l'instant, c'est mon coup de cœur de la commande. Ensuite, dans les tons verts. Bon, cette robe, c'est un classique, mais il faut l'avoir, voilà. Donc, moulante, bien pour la journée. Elle est trop cool. La matière, trop agréable. Et le style de robe qu'il faut tout le temps avoir à la maison en plusieurs couleurs. Voilà, c'est vraiment genre le classique à avoir dans sa garde-robe. Je l'ai prise en vert. Ensuite, on passe à cette tenue, petit ensemble. Donc pour la plage, vous voyez, j'ai une culotte de maillot en dessous. Donc vous mettez votre maillot de bain blanc. C'est mieux, là j'ai mis un noir, donc n'importe quoi. Mais vous voyez, c'est juste magnifique. Regardez cet ensemble pour la plage. Il est juste incroyable pour cet été. J'aurais bien avec des grosses boucles d'oreilles blanches, vous voyez. Petite sandale, petit sac à main, il est incroyable, il existe en plusieurs couleurs. Voilà, donc ça vraiment, j'adore. Donc voilà, profitez de mon code promo, il y a toujours des nouveautés chez Folifringues. L'ensemble que je portais aussi aujourd'hui, le kaki, vient aussi de chez Folifringues. En tout cas, faites-vous plaisir et comme je vous ai dit, regardez juste après ce que je mets parce que ce week-end, il y a une grosse braderie, donc profitez-en. Et d'ailleurs, pour les gens qui habitent donc dans le nord, près de la boutique Folifringues, n'hésitez pas à y faire un tour. Regardez comment elle aime trop le bain, ce bébé. Elle aime trop le bain comme ça, petit bébé. Regarde, c'est mouillé. Pour celles qui demandent, le linge que je mets dessus, c'est pour que ça garde la chaleur. Waouh! C'est trop bien le bain. Ouais, tu l'as dit, c'est trop trop bien le bain. Bah oui, parce qu'on sait qu'après le bain, il y a le biberon. Et après, il y a le dodo. Ouais. Bah oui. Tu te bouffes, je la bouffe avec tes sourires. Oh, tu regardes la caméra, tu souris à tata. Dire les tata. La coupe de fin de journée. Welcome. Non, ça a fait rire. Regarde ma coupe. Voilà. Bon, vous faites quoi pour la fête de la musique? Moi, clairement, je suis en train de faire de la musique avec les jouets d'Alia. Avec Alia qui les regarde. C'est vrai que c'est l'heure. Mais là, c'est la fête ce soir. On a dit c'est la fête ce soir. Ouais, c'est la fête ce soir. Elle m'a rire. Vous m'entendez? C'est trop la fête ce soir. On se couche pas avant 10h30. Voilà. C'est trop la fête. Non, d'habitude, elle se couche à 23h. Et là, elle ne voulait pas dormir. Elle m'a fait une mini crise pour ses dents. Je lui ai donné de l'eau aux dents. Elle s'est calmée. Et puis voilà. Et demain, c'est l'anniversaire de papa, mon bébé. Bon, du coup, les filles, je lui donnerai le cadeau demain. Parce que déjà, d'une, vous avez tous voté demain. Donc, je vous écoute, vous avez vu. Enfin, tous en majorité. Et aussi, de deux, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, il travaille ce soir pour la fête de la musique. Il est à son restaurant. Donc, du coup, voilà. Je sais pas s'il sera rentré à l'heure. Donc, tant pis pour lui. Non, là, les filles, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un beau montage pour mettre sur mes stories pour l'anniversaire de G. Oh, mon amour, on va faire un montage pour papa. Vous allez me dire si c'est bien après. Je vais me motiver. Son anniversaire, c'est dans 3 minutes, dans 2 heures. Mais franchement, soyez sincères. Je le mettrai sur Snap. Parce qu'il regarde pas mes snaps. Donc, je mettrai sur Snap, vous me direz s'il est bien. Bon, là, c'est l'anniversaire de G. Voilà. Et j'ai dit aujourd'hui, se laisse guider. Tu te laisses guider toute la journée, mon cœur. Oui. C'est son anniversaire. Mon anniversaire, on fait qu'une fois. J'étais pas là au premier, rappelle-toi. Hein?
n'étais pas là au premier. Je n'aime pas les anniversaires. Bah, tu vas l'aimer avec moi.